Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est lundi 18 mai 2020 et c'est français avec Madame Dula. Aujourd'hui, à faire, il y a les verbes en ER, euh, des biens, les parties égales et finalement, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire demain. Alors, on y va! Les verbes en ER. Alors, on sait déjà, le verbe avoir se conjugue quand j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Le verbe être se conjugue comme je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Alors, il y a trois groupes de verbes réguliers. Le, les verbes avoir et être sont irréguliers. Euh, ils ne sont pas conjugués comme tous les autres verbes qui terminent en IR ou en RE. Alors, c'est différent. Mais il y a trois groupes de verbes qui sont réguliers et ça veut dire que tous les verbes de, cette, euh, de, de, de chaque groupe se conjuguent le même. Alors, le premier groupe est le verbe en ER. Alors, la plupart des verbes qui terminent en ER se conjuguent qu'un. E, ES, E, ONS, EZ, e ENT. Alors, comme ça, c'est un peu difficile à comprendre, mais je vais vous expliquer maintenant avec l'affiche. OK. Alors, on y va. Les verbes réguliers, ER. En tout le sujet de chaque verbe, observe les mots en gras. Que remarques-tu? Alors, ici, les verbes ne sont pas en gras, mais je vais vous lire et vous expliquer. Alors, est-ce que tu aimes le fromage? Alors, c'est quoi le sujet? C'est tu. C'est quoi le verbe? C'est aime. A-I-M-E-S. Alors, est-ce que tu aimes le fromage? Alors, à la fin de aime, il y a ES. Oui, j'aime le fromage. Sujet, je. Mais aime ici, il n'y a pas de S. C'est que A-I-M-E. Il parle français et cette fille-là elle parle espagnol aussi alors ici parle et parle ça c'est la même chose parce que il et elle se conjuguent le même euh, bah, pour parler parler se conjugue le même pour il et pour elle il regarde les nuages dans le ciel je regarde les, les huit pattes de l'araignée alors regarde ici il y a e à la fin des deux verbes tu joue au foot Non, je joue au tennis. Alors ici, tout, il y a S à la fin. Mais avec je joue, il n'y a pas de S. Vous dansez à l'école Non, nous dansons à la maison. Alors ici, vous, il y a EZ. Nous, il y a ONS. Est-ce qu'ils aiment le fromage M-A-I-M-E-N-T oui, ils adorent le fromage. Et adore, ça c'est un verbe différent, mais ça se conjugue le même, E-N-T, à la fin. Alors, je retiens, retiens bien. On conjugue les verbes qui se terminent en E-R ainsi. Je parle, P-A-R-L-E. Tu parles, P-A-R-L-E-S. e s il elle, on parle, P-A-R-L-E. Alors, il faut savoir maintenant, pour « je »,« il »,« elle » et « on », il y a que « e ». Et ça se conjugue le même. Nous parlons. P-A-R-L-O-N-S Vous parlez. P-A-R-L-E-Z Ils, elles parlent. P-A-R-L-E-N-T Alors, voilà, comme ça, tous, 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 tous les verbes réguliers qui se terminent en e « e-r ». Euh, vont, vont avoir ces conjugaisons ici. Alors, entraîne-toi. Relis le sujet avec le verbe qui convient. Alors, ici, il y a les verbes euh, différents, mais il faut noter quel verbe euh, correspond avec quel sujet. Alors, on commence avec vous. Alors, vous mangez, non. Vous dansons, non. Vous regardez, non. Vous écrivez, non. Vous dessinez, non. Vous nagez dans la piscine. Il y a EZ là. Alors, on sait que... Ça, c'est correct. Vous nagez dans la piscine. Je mange une quiche. Oui, ça va. Je mange une quiche. Mais on peut aussi utiliser... Je regarde un film et je dessine un dinosaure. Mais on a trouvé mange. Alors, ça va. Lucas et Ron... Écrivent, E-N-T, parce que Lucas et Ron sont ils pluriels, écrivent dans leur cahier. Nous dansons ensemble, ONS à la fin. Tu, hmm, uh -oh, problème ici. Il n'y a pas de verbe qui se termine par ES. s Alors ça veut dire barré, on ne va pas utiliser tu. Anne, ça c'est elle. Dessine un dinosaure ou regarde un film. On peut utiliser les deux. Alors voilà mes réponses. Vous pouvez avoir les réponses un peu différentes, mais moi j'ai utilisé ça. Ok, on y va. Maintenant des biens. Pardon. Ah, voilà. Produire et consommer des biens. Regarde les images du boulanger qui fait des bretzels. Alors, ici, il y a un boulanger et il utilise sa machine pour faire des bretzels. Et après, il va les euh, vendre. Alors, les biens sont des choses que les gens fabriquent ou cultivent. Sa famille utilise et achète des biens. Les marchandises vont des tomates à des téléviseurs et des camions. Alors, toutes les choses qu'on peut acheter au magasin ou au marché sont des biens. Alors, une personne qui fabrique ou cultive des biens est un producteur. Une personne qui achète et utilise des biens est un consommateur. Alors, numéro 1, regarde la photo, écrit un P sur le producteur et un C sur le consommateur. Alors, ici, dans cette image, il y a une fermière qui vend des tomates. Alors, c'est elle, le producteur, parce que c'est elle qui vend quelque chose. Et la femme qui achète des tomates, c'est elle, le consommateur. Et voilà. Produire des biens. Les gens produisent des biens pour gagner de l'argent. L'argent que les gens gagnent s'appelle un revenu. Le revenu est utilisé pour acheter des choses dont les gens ont besoin et qu'ils désirent. Alors, ici dans l'image, cette, euh, cette fermière ici, elle vend des tomates pour gagner de l'argent. Alors, elle va utiliser l'argent qu'elle a gagné pour acheter des autres choses dont elle a besoin. Alors, c'est euh, comme ça que notre économie, économie euh, fonctionne. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui. Partie égale. Alors, on est ici sur ces deux pages. On commence. Ces parties sont-elles égales? Deux parties égales ce sont des moitiés. Deux parties inégales, ce ne sont pas des moitiés. Trois parties égales, ce sont des tiers. Parti, trois parties inégales, ce ne sont pas des tiers. Quatre parties égales, ce sont des quarts. Par, quatre parties inégales, ce ne sont pas des quarts. Tu peux montrer des parties égales de différentes façons. Alors voilà un cercle, rectangle et un plus petit rectangle. Euh, et il y a aussi des lignes. Et tous représentent des quarts. Alors il y a des quarts, des cercles, des rectangles, des carrés chaque fois. Alors vocabulaire ici important. Égal, ça veut dire que les deux choses sont les mêmes. Inégal, ils ne sont pas les mêmes. Moitié. Ça, c'est deux parties égales, tiers, trois parties égales, 4 4 parties égales. Alors, pratique guidée. Écris le nombre de parties en égal ou négal. Alors, ici, numéro 1, il y a quatre parties égales. Numéro 2, combien de parties 1, 2, 3, 4 parties. Et est-ce que les parties sont égales ou inégales? Les parties sont égales. Numéro 3. Ici, il y a un, deux, trois parties. Est-ce que les parties sont égales ou inégales? Ici, les parties sont inégales. Parce que ils ne sont pas, euh, les parties ne sont pas les mêmes. Et numéro 4 deux parties et les parties sont égales. Alors, comprends-tu? Cette image représente-t-elle des tiers? Alors, voici un cercle et il y a deux lignes et il y a trois parties. Est-ce que les parties sont égales? Non. Alors, ce ne sont pas des tiers parce que les parties sont inégales. Voilà. Numéro 5. Trace une ligne ou des lignes pour représenter des parties égales. Alors, les élèves, c'est un peu difficile à faire ça euh, sur l'ordinateur. Alors, ce n'est pas exactement parfait, mais vous allez comprendre quand même. Numéro 5, des moitiés. Alors, on a besoin de deux parties égales. Voilà. Moi, j'ai ajouté une ligne horizontale, mais aussi on peut utiliser une ligne verticale, comme vous voulez, ou diagonale. Numéro 6, des tiers. 1, 2, 3 parties égales. Numéro 7, des quarts. Alors, voilà. 1, 2, 3, 4 parties égales. Numéro 8, des moitiés, 2 parties égales. Des tiers, 3 parties égales. Et 10 des quarts, 4 parties égales. Et voilà. Pensée spatiale. Dessine ce qui vient après. Alors, ici, il y a 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 carrés et il faut suivre les lignes. Alors, on commence. Il y a deux moitiés. Il y a les tiers et il y a les quarts. Maintenant, il y a encore les moitiés, les tiers et les quarts. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui vient après? C'est des moitiés. Voilà. Alors ça c'est tout pour aujourd'hui. Il y a mon zoom à 9h et à 1h aujourd'hui et demain. Alors demain ça sera mardi 19 mai. En français à faire, il y a zoom à midi avec moi, il y a le journal, il y a les verbes en ER et euh, il faut lire en français. En anglais, il y a zoom avec madame Léon à 9h et aussi à midi et demi. Et voici une panthère pour vous. Alors euh Bon après-midi et à demain.